Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Zidi Sport. Enfin, le retour de votre émission, parce que ça ne vous aura pas échappé, la Coupe du Monde 2022 au Qatar a débuté. Elle a débuté ce 20 novembre, s'achèvera le 18 décembre. Et voyons ensemble ce qui s'est passé les 20 et 21 novembre. 20 novembre à 17h, le match d'ouverture, après une superbe cérémonie d'ouverture, entre le Qatar et l'Équateur, match pour lesquels les Qataris se préparent depuis 12 ans maintenant. Ensuite, le 21 novembre, à 14h, on a eu le droit à la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran. À 17h, une superbe affiche entre le Sénégal et les Pays-Bas. Et enfin, à 20h, pour finir la première journée du groupe B, les États-Unis affrontaient le Pays de Galles. À 17h le 20 novembre, le Qatar faisait enfin son entrée dans la compétition, elle qui participe à sa première compétition, et l'Équateur était de retour en Coupe du Monde après avoir manqué l'édition 2018, et ça s'est très mal passé pour les Qataris, qui s'inclinent 2-0 d'entrée face à l'Équateur. L'Équateur avait d'abord ouvert le score par Enner Valencia dès la cinquième minute, but refusé pour une position de hors-jeu. 10 minutes plus tard, Enner Valencia ouvre finalement le score à la 16e minute de jeu sur penalty, avant 15 minutes plus tard d'encore marquer. L'attaquant de Fenerbahçe inscrit donc un doublé pour ce match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Le score n'évoluera plus et l'Équateur s'impose 2-0. Match cauchemardesque pour le Qatar qui a été privé de ballon pratiquement tout le match et qui n'a rien pu faire face à cette équipe d'Équateur. Le 21, à 14h, on a eu le droit à l'entrée de l'Angleterre, elle qui est attendue dans cette Coupe du Monde. Et ça commence très bien, puisqu'à la 35e minute, c'est Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui vient ouvrir le score. 43e minute, Bukayo Saka double la mise d'une superbe frappe sous la barre pour faire 2-0 pour l'Angleterre. Puis 2 minutes plus tard, c'est Raheem Sterling qui inscrira le troisième but anglais pour enterrer définitivement les espoirs iraniens. 3-0 à la mi-temps, puis 4-0. Bukayo Saka qui y va de son doublé. 3 minutes plus tard, Mehdi Taremi inscrira le premier but iranien, qui a été attendu également par leur pays après être sorti en poule en 2018 et qui démarre très mal cette compétition. Puis 5 buts à 1, but de Marcus Rashford, tout juste entré en jeu à la 71e minute. Puis 6 buts à 1, suite à ce but de Jack Grealish à la 90e minute. Et puis à la toute fin du temps additionnel, l'Iran obtient un pénalty qui sera transformé par Mehdi Taremi, qui lui aussi y va de son doublé, et qui devient le premier Iranien de l'histoire à marquer un doublé en Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne suffira pas, et l'Angleterre maîtrise parfaitement son entrée en Coupe du Monde. Score final 6 buts à 2. À 17h, on a eu le droit à un superbe match, une superbe confrontation entre le Sénégal et les Pays-Bas. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est donc attendu pour cette Coupe du Monde, tandis que les Pays-Bas revenaient après avoir manqué l'édition 2018. Et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés 2 buts à 0. Match qui a mis du temps à se décanter, et finalement les Pays-Bas, après avoir un petit peu raté leur match, ont ouvert le score à la 84e minute par l'intermédiaire de Cody Gakpo, le joueur du PSV Eindhoven, buteur pour son tout premier match en Coupe du Monde. Et puis c'est David Klaassen qui doublera la mise à la toute fin du temps additionnel. Score final 2 buts à 0 pour les Pays-Bas. Score pas forcément logique, vu ce que le Sénégal a montré. Les Lions de la Teranga méritaient peut-être un peu mieux. Et enfin, à 20h, le match entre les États-Unis et le Pays de Galles. Match très intéressant pour deux équipes qui, sur le papier, se valent. Et c'est les États-Unis qui ouvriront le score à la 36e minute par l'intermédiaire de Timothy Weah, le joueur du LOSC, sur un superbe appel en profondeur qui est servi et qui vient tromper Wayne Hennessy tout seul. Les États-Unis mèneront presque tout le reste de la partie, mais Gareth Bale à la 82e minute
égalisera sur penalty. Le pays de Galles, qui dispute seulement sa deuxième Coupe du Monde, la première depuis 64 ans, qui réussit son retour en Coupe du Monde, puisqu'elle accroche le match nul face aux États-Unis, qui, eux, avaient manqué la Coupe du Monde 2018. Score final, un but partout. Les résultats par groupe. Dans le groupe A, ce sont les Pays-Bas qui prennent la tête du classement, à égalité avec l'Équateur. Ils comptent chacun 3 points. Les Sénégal et le Qatar, malheureusement, comptent 0 points. Et dans le groupe B, l'Angleterre qui a parfaitement réussi son entrée en Coupe du Monde, qui est seul leader du groupe B, l'Iran malheureusement dernier. Le Pays de Galles et les États-Unis prennent chacun 1 point suite à leur match nul. Les matchs du 22 novembre à 11h, vous pourrez retrouver l'Argentine qui fait également son apparition dans cette Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. À 14h, c'est le groupe de la France qui rentrera dans cette Coupe du Monde. Le Danemark affrontera la Tunisie. À 17h, le Mexique affrontera la Pologne. Très belle affiche. Et enfin, pour terminer, le champion du monde en titre, l'équipe de France, remettra son titre en jeu, puisqu'elle affrontera l'Australie, match que vous pourrez suivre sur TF1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve demain avec un autre animateur pour le résumé du 22 novembre. À bientôt!